Avec le pasteur Jojo Kamani qui va nous dire aussi son impression par rapport à l'événement du frère Emmanuel Fangoulou. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma soeur. Comment allez-vous? La grâce de Dieu sur nous. Comment avez-vous trouvé cet événement? Quelles sont vos impressions par rapport à cet événement auquel vous venez d'assister? Ouais, je suis très content, l'événement s'est très bien passé. C'est un enfant que j'ai eu sous mes ordres pendant une longue durée comme il a témoigné lui-même. Et j'ai apprécié la maîtrise qu'il a développée, la connaissance de la Bible. Avec le temps, c'est en travaillant qu'il atteindra aussi certaines perfections. Et sinon, courage, félicitations à lui. Ok, donc vous avez vu que votre travail a porté des fruits. Beaucoup de fruits. Je suis très fier de lui. Encore félicitations à lui, beaucoup de fruits. Qu'il travaille encore davantage. Merci beaucoup. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec le frère Franck Balandaï que vous connaissez, un artiste de la place. Bonsoir frère Franck. Bonsoir. Vous venez d'assister à l'événement, au moni événement Wondengenini, au moni présence Yanzam Bezalaki, au moni net net. Ça va. Vraiment félicitations à notre frère Emmanuel Fangoulou. Vraiment, je l'encourage beaucoup. Faire des choses comme ça, ce n'est pas seulement se réveiller et faire prendre une décision et commencer quoi. Et il a prêché, nous avons senti la présence de Dieu, vraiment que le Seigneur l'assiste encore et qu'il aille de l'avant, parce qu'il a parlé d'un truc vraiment très clé pour les chrétiens, donc de mourir en soi. En tout cas, ce thème là est très important. Donc si vous avez le temps, prenez le temps de venir encore écouter ce frère. Vous serez bénis, quoi. Nous, on a été bénis. Amen. Donc, que le Seigneur bénisse notre frère. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frère Franck. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous avons la sœur Josie Balandaï qui va nous dire son ressenti par rapport à l'événement Oyo. Parce que c'est quelqu'un qui organise aussi des événements. Donc, elle sait de quoi elle va parler. Sœur Josie, Omoni Ndengeni. Oui, c'était très très bien. Donc, nous étions là pour soutenir notre frère Emmanuel pour la deuxième édition. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Franchement, j'étais bénie. Amen. C'était bien organisé. Vraiment, tout s'est bien passé. Que le Seigneur puisse bénir encore le frère Emmanuel et qu'il donne encore la force pour la troisième édition. Amen. Merci beaucoup, sœur Josie. Merci à vous. Nous avons Pambola. Donc, bombastique, donc le meilleur. Merci Saint-Esprit parce que tu as tout simplement, tu nous as rempli de toi Saint-Esprit. Nous sommes remplis de toi Saint-Esprit. Nous sommes remplis de toi Saint-Esprit. L'Église est remplie de toi Saint-Esprit. L'Église est satisfaite. L'Église est pleinement remplie de toi Saint-Esprit. Merci pour le corps que nous sommes. Nous sommes une habitation de toi en esprit. Oui Saint-Esprit, nous sommes un logement où tu habites. Tu habites en nous. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre nous, qui habite en nous, au nom de
chérubin. Au moins, il y a un événement autotique pour assister à Nini. Présence à Nzambe, Zalaki. En tout cas, Zalaki très bien. Nini Salami bien. Il m'a dit que Nzamba, Zalaki, il y a un apporteur à mon camion. Pendant mon adoration, il y a prédication. En tout cas, tout est bien passé. Là, il y a un peu de temps à Nzambe. En tout cas, Dieu était au contrôle. Amen. Tout est bien passé. Amen. Cette espoir Zalaki, il y a eu des manifestations, prédications. En tout cas, les ambas à l'eau. Amen. Merci beaucoup, Papa Chérubin. Zamba Pambola. Ah, Pambola. Tu ne peux pas te dire que je suis pas dans mon âme. Tu ne peux pas te dire plutôt que j'accepte Christ comme Seigneur Sauveur. Mais si à partir du moment, qui même quand il veut manger, il prie. Dites-le lui. Il y a des personnes qui vont au snack. Pour ceux qui ne sont pas de la Belgique, les snacks, c'est les petits trucs là qu'on fait, les hamburgers, les dorés. Il y a des personnes qui vont au snack. La première chose qu'ils font, ils sont pressés de manger. Quitte en plus les snacks là, les gens des fois ils ne lavent même pas les mains. S'ils font quoi, si tu es précipité à manger, tu oublies de sanctifier cette nourriture pour le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Même si on dit qu'on a faim, mais tu veux être patient. Le peuple là a la faim. Qu'est-ce que Christ leur dit? Asseyez-vous d'abord. Donc moi j'ai faim, tu me dis de m'asseoir. Mais papa, le peuple avait faim, il me dit asseyez-vous d'abord. Parce que lorsque tu es debout, tu ne peux pas manger avec liberté. Fais l'expérience. Lorsque tu manges un sandwich en train de marcher, est-ce que tu digères bien? Non. Là, maintenant, je me retrouve avec mon frère Jean Didier, un serviteur de Dieu de la place, un très grand serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, c'est lui, si vous avez suivi l'événement, c'est lui qui a fait la modération durant tout l'événement. Papa Jean Didier, comment vas-tu? Très, très bien, super bien. Alors, au moins, l'événement, n'a plus son dengenine. L'événement, elle est qui très, très, très bien. La gloire de Dieu est intense. Amen. Et nous avons été vraiment visités par la puissance du Saint-Esprit. Et alors, maintenant, on continue encore à vivre encore la gloire de Dieu, tout simplement. Et le prédicateur a été vraiment très haut, tout simplement. Amen. Mais nous avons vu aussi que toi, tu as été très haut parce que la première partie, le Seigneur t'a conduit au travers de toi. Nous avons été très, très, très. Nous étions très élevés. Kendaki pela musika. En fait, j'ai compris un secret. Je préparais cette réunion comme si c'était ma réunion à moi. Et je me suis préparé pendant 2 semaines. Et voilà le résultat. Amen. Ouais, je crie en Dieu et puis voilà. Le secret, c'est la prière. C'est la prière et mettre ça à cœur. Parfois, on ne peut pas prier, mais juste ramener ta réflexion vers Dieu. Justement, prier, c'est très bien, mais prendre ces choses à cœur. Et Dieu fait des choses toujours. Là, vous venez d'avoir un petit aperçu du serviteur de Dieu Jean Didier, mais nous l'aurons bientôt à l'émission, à la découverte, dans votre émission que vous connaissez très bien. Bientôt, nous allons le recevoir et nous allons pouvoir parler avec lui largement, longuement encore. Et vous allez pouvoir l'écouter parce que il est vraiment un oint de l'Éternel. Merci, Papa Jean Didier. Amen. Oh,
maintenant, nous sommes avec Maman Philippa, alias Maman Pasteur Mabonzo. Bonsoir, maman. Bonsoir. C'est ma maman, ouais. Maman, comment avez-vous trouvé l'événement qui vient de se passer maintenant là? Je trouve que c'est bénissant, mm-hmm. parce qu'il raconte vraiment des choses vraies mm-hmm. que nous vivons, et aussi la Bible. Donc, il parle vraiment de Jésus, de mm-hmm. la Bible, Amen. C'est-à-dire la mort en soi. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas beaucoup. Beaucoup de gens sont dans le Seigneur, mais ils ne sont pas convertis. Mm. On a beaucoup des inconvertis dans nos églises. Et parler des thèmes comme ça, je trouve que c'est bien. Et c'est que je trouve, il y a pas mal de jeunes. Mm-hmm. Et c'est vraiment quelque chose de formidable parce mm-hmm. que c'est maintenant. Peut-être qu'il y a eu des erreurs avec nos aînés dans le passé. Mais lorsque je vois une armée de jeunesse qui se lève comme ça... Amen. Et rétablir, mettre les choses en place, je glorifie le Seigneur. Amen. Donc vraiment, c'est un thème merveilleux, mm-hmm. la mort en soi. Waouh, mm-hmm. c'est à développer. Ah, amen. Tout à fait. Merci maman, merci beaucoup.